Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, vous allez pouvoir découvrir les travaux qu'on a fait sur Walter et notamment le changement des plaquettes de frein. Alors tout d'abord, il y a eu le changement des plaquettes avant. Ça, vous verrez juste une partie de ce que Chouchou a entrepris. Et puis ensuite, une partie du changement des plaquettes arrière. Mais pour cela, il y avait toute une procédure à faire pour pouvoir relever les pistons, je crois. Donc, nous avons fait des recherches et enfin trouvé la procédure pour pouvoir se faire. Et c'est ce que on vous montre là. Donc, bonne vidéo. Salut. Je crois qu'il casse Walter. Qu'est-ce que tu fais ? Pas changer les plaquettes de frein. Ben oui, t'as eu le témoin qui s'est allumé. Ça va aller? Je sais pas. J'espère que j'ai les bons outils pour défaire les étriers. Les défaire, c'est une chose, mais après, il faudra les remettre. Ouais. Ça va aller. Si j'ai les bons outils pour démonter, ça va aller. Ah, ok, ça va te perdre. Et t'as fait quoi aussi? T'as vérifié si t'avais. Oui, quoi? J'ai vérifié le pré-filtre à mazout. Oui. Pour voir s'il y avait de l'eau dedans. Je l'ai purgé, j'ai vidangé. Il n'y avait pas eu un seul millilitre d'eau. Ah ouais, donc tout va bien. Donc après 65 000 km et qu'on a roulé beaucoup au Mexique, un peu au Guatemala et un tout petit peu en Colombie. On n'est qu'au début. Alors, je vous montre un petit peu où nous sommes. Alors c'est compliqué ici de trouver des emplacements pour dormir, etc. Alors après plusieurs endroits infructueux, on s'est dit, bah, tiens, il y a un immense endroit avec juste un autocar là-bas. Et on s'est dit, on va tester. Bah, là, ça fait déjà 2 heures qu'on est là, on n'est rien venu nous dire. J'espère qu'on va pouvoir rester la nuit. Et voilà, bah, on n'est pas trop mal, hein. Il y a les travaux là-bas au bout. Mais on est bien. On est bien. Et je vais pouvoir avancer dans mes vidéos. Parce que j'ai laissé en suspens. Parce que je voulais qu'il y ait une chronologie dans tout ce qu'on avait fait. C'est-à-dire que je voulais d'abord vous publier la suite du shipping. Et puis j'ai déjà quand même avancé sur Carthagène où nous avons passé pas mal de temps. Ça en suivra après deux autres endroits, dont un parc où on s'est vraiment bien plu. Et là maintenant, ça fait 3 jours qu'on a récupéré Walter. On est passé par Medellin, et ça, là, c'était très compliqué. Il faut vraiment que vous suiviez nos vidéos parce que franchement, il y a du lourd. Hein. Allez, à plus les amis. C'est presque fini. Mais ça bosse. Ça va tomber en rade, GoPro. Il n'y a plus qu'à le frigo à faire. Ouais. Donc, sans trop de difficultés finalement, juste trouver le truc pour pouvoir mettre les... Débloquer les pistons du frein à main. Et ben voilà. On a trouvé. Oui. À deux, ça a été. Et la patience de Fabienne surtout. Oui, mais tu sais à le refaire. Mais bien sûr. Ah. Parce que tu vas devoir remettre le frein. Oui, hein, c'est dans le sens inverse. Voilà. Voilà à quoi on passe aussi son temps. Il faut bien dorloter notre petit Walter, hein. C'est pas l'endroit idéal pour faire ça en plus, hein. Ben, l'endroit idéal, est-ce qu'il y en a un? Ah oui, toi tu voulais un beau tarmac et tout. Ben oui. Alors ici, en Colombie, visiblement, c'est du dépôt clandestin, du dépôt sauvage. Ah non, même pas raté, ça. Non. Au matin, ils sont venus mettre deux petits tas là-bas.
Donc, moteur tournant. On retire le frein à main. Donc, sur le côté, hop, je retire. On coupe le contact. OK. On met le pré-contact. On est sur les kilomètres. Le pré-contact. Là, maintenant, je suis en pré-contact. Il a fait ça. Ça, 2 secondes. Voilà. Là, il y a données du véhicule, test banc à rouleau, accès distance, remplacement, garniture de frein. Donc, on descend. Avec la molette. On va sur remplacement garniture de frein. Je valide. OK. Position de montage, mettre en position. OK. Et les pistons rentrent. Voilà. Voilà. Ah oui. Donc maintenant, on va vers le processus inverse. J'ai mis le pré, voilà. Le pré-contact. Et tu vois, en fait, le mode du frein à main clignote. Oui. Parce qu'on est en mode montage. Mais ici, ben ici tu dois appuyer sur OK. Oui. Puisque quitter la position de montage. Donc voilà. C'est monté, OK. Voilà, les pistons, on entend les pistons qui sortent. OK. Ça prend... Confirmé, OK. Là, a été... Et ça ne clignote plus, donc c'est bon en fait. Oui. Alors, ressort de tout. Attends, ressort de... J'ai été sur maison. Là. Voilà. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Tu nous as rejoint. On espère que cette vidéo vous aura été utile. Alors, point de vue technique, les outils ne font pas grand-chose quand même. Peut-être un serre-joint pour rentrer les plaquettes à l'avant. Et à l'arrière, au tournevis, ça a été tout seul pour la rentrée. Avant de commencer tout, bloquez votre véhicule, ne démontez aucune roue et débloquez le frein à main. Parce que si vous faites le contraire, que vous démontez une roue, puis que vous débloquez le frein à main et que le véhicule bouge, c'est un peu la merde, ça. Ça risque. Oui, ça risque. Donc, bloquez le véhicule, défaites le frein à main, puis démontez les roues. Enfin, une à la fois. Hein. Et alors, non, à la mexicaine, quand ils avaient changé les roues, ouais, ils avaient soulevé tout le véhicule avant. T'aimais pas, hein? Pas du tout. À l'arrière, il a voulu faire la même chose. J'ai dit non. Et alors, donc, le véhicule pèse 4 tonnes. J'avais un Cric Facom de 2 tonnes. Je me dis, ça va le faire. Je me dis, je vais l'essayer une fois, mais c'était il y a longtemps. Le Cric de 2 tonnes, c'est mes couilles. À l'avant, j'y suis arrivé à le soulever, mais très difficilement. Et à l'arrière, impossible. Donc, j'ai racheté en catastrophe un Cric de 6 tonnes. Même avec le Cric de 6 tonnes, pour l'arrière, ça le fait. C'est un peu limite, mais ça le fait. Donc, si vous prenez un 8 tonnes, je pense que c'est le top du top. Si c'était à refaire, c'est ce que j'aurais pris. Et alors, n'oubliez pas de mettre une chandelle de sécurité, parce que si le Cric lâche, à l'arrière, ça va. À l'avant, ça va, parce qu'il y a une plaque de protection moteur. Donc, je soulevais fouillé à la plaque, il ne s'est pas glissé. Mais à l'arrière, c'est juste sur l'axe de transmission. Et là, il pourrait choper. Et s'il n'y a pas la chandelle, attention aux doigts, aux mains, et surtout attention au véhicule. Voilà, donc, Cric, chandelle. Voilà, tu as quelque chose à rajouter? Je crois qu'on a fait un bon travail. Tu as fait un bon travail. Et comme tu as dit, on espère que ça vous aidera. Oui, si, si tu voulais dire quelque chose... avant d'enregistrer, que tu ne dis pas et que moi je vais dire. Allez alors. Attention que sur le... quand on voyage, on ne fait pas ça où on veut, comme on veut, on fait où on peut et comme on peut. Oui, parce que... Faire ça sur un parking. Il y a ça, on ne trouve pas toujours les mécaniciens et quand il y a des mécaniciens, ils ne sont pas forcément au top de nos attentes. Donc, on le fait nous-mêmes. Ouais, je préfère le faire moi-même. Au moins, je sais bien ce qui a été fait, comment ça a été fait. Parce que on fait beaucoup de recherches et voilà. Il y a beaucoup de voyageurs. Il y a des gens qui travaillent très bien en Amérique du Sud et en Amérique latine. Et il y a des gens qui travaillent mal, comme en Belgique, il y a des gens qui travaillent mal aussi. Tout à fait. Mais il y a beaucoup de voyageurs qui ont eu beaucoup de blagues en Amérique latine. Donc, je suis un petit peu mécano à la base. Donc, je préfère le faire moi-même. Maintenant, tout le monde ne sait pas le faire, mais... je pense qu'il n'y a rien de compliqué. Hein? Oui. Parce que tirer 6 vis pour la roue et puis 2 vis pour l'étrier de frein et un tournevis pour entrer les plaquettes, c'est tout quoi.
C'est pas compliqué. Yaka, allez. Allez. Eh bien, on vous dit à bientôt. Salut les amis. Bye. Alors, si vous aimez les Fabrice autant que nous, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de mettre des commentaires et d'agiter la cloche. Et à nous deux, ça fera un carillon. Très bien, si tu aimes les Fabrice. Tiens, une fière. Comme ça. Thumbs up. Mettez un pouce. Mettez un pouce. Thumbs up. If you enjoyed this video, give it a like, give it a thumbs up, and subscribe. Exactly. Subscribe. C'est bien.